Claude Zummer pour le vernissage de la nouvelle exposition intitulée « 5 artistes à Verras ». Récits et intermèdes musicaux ont accueilli les invités venus découvrir les œuvres de peintres et d'écrivains bien connus de la région. Voyez le reportage de Yannick Barillon. Il y avait tant de framboises, de fraises et de groseilles rouges cette année qu'il nous a suffi de les entendre rire pour en être rassasié. Ces mots sont ceux de l'écrivain Corinne Abille, tirés du livre « Un goût du rocher », des mots peut-être inspirés par la peinture de Gérard de Palézieux. Tous deux se côtoyaient. Ils habitaient le village de Verras, comme Maurice Chapa, Rainer Maria Rilke et Charles-Claude Sommer. L'attrait de Verras a été multiple pour tous ces artistes qui se sont installés à Verras. Dans cette exposition, nous avons choisi de privilégier l'angle de la nature, comment chaque artiste a perçu l'environnement naturel de la région, et comment chacun, de façon différente, de façon singulière, l'a restitué dans son œuvre. Présenté séparément dans l'espace muséal, le travail de ces 5 artistes est toutefois mis en lumière de façon à comprendre les liens subtils qui se tissent dans leurs œuvres respectives. Par exemple, vous avez Gérard de Palézieux qui a illustré de nombreux livres des écrivains présentés, soit Les Roses de Rainer Maria Rilke, soit certains ouvrages de Maurice Chapa ou de Corinne Abille. Une rareté de pouvoir contempler des œuvres prêtées par des collectionneurs privés et se plonger bien plus que dans une image régionaliste de la simple nature valaisanne. C'est ce sens du partage, de la beauté poétique, du monde le plus immédiat, des choses qui sont devant nous, devant lesquelles la plupart de ces paysages, chacun de nous est passé peut-être 20 fois, 50 fois devant sans s'y arrêter. Et maintenant, quand on les regarde, on dit « mon Dieu, mais comment ça se fait ?» que je ne l'ai pas vu. Un espace pour passer un moment en compagnie d'artistes bien connus de la région qui pourraient bien surprendre le visiteur. Il faut du temps pour se plonger dans l'univers de chacun des artistes qui est passionnant. Et c'est une exposition qui est autant à voir qu'à lire, qu'à méditer. Une balade au musée difficile à refuser à Maurice Chapa qui, dans cet extrait de La vocation des fleuves, nous invite au voyage. Et que préparent les étoiles dans les branches du Mélèze ? J'imagine une haute vallée de l'Inde.